En fin du parcours des expositions temporaires, vous pourrez découvrir le travail de la jeune Yo Burgard, qui est née en 1987 et qui vit à Paris. La bête dans la jungle, qui est le titre de son exposition, c'est une nouvelle d'Henry James, dans lequel un homme qui est persuadé d'avoir un destin extraordinaire passe en fait sa vie à attendre son destin et passe un petit peu à côté de sa vie. Alors c'est pour Yo Burgard un déclencheur, un pouvoir d'évocation poétique. Le public donc est amené à déambuler dans un ensemble de sculptures et ce ne sont que des mobiliers qui suggèrent justement cette latence. Cette attente dont parle Henry James dans La Bête dans la jungle. Donc nous avons de très belles sculptures qui à la fois suggèrent un banc ou suggèrent un arrêt d'autobus ou suggèrent un endroit où on pourrait tranquillement fumer une cigarette. Voilà qui sont ces moments d'entre-deux, peut-être de procrastination, mais dans lesquels aussi on est capable de se charger de désirs pour le futur.